Salut à tous, ça va Céline? Ouais, et toi? Impeccable, on enchaîne. J'ai envie de faire des soufflés au thon. Est-ce que ça te branche? Écoute. C'est sorti comme ça, du cœur. Pourquoi voilà. Pas hein. Parce qu'on a des œufs, parce qu'on a du thon, parce que le thon c'est bon, non c'est nul. Voilà, mais juste des soufflés au thon, c'est parti? Bah parfait. Hein. On y va. Allez. Ah tiens, là, regarde. Hop. À l'américaine, non c'est pas beau. Non, chut. La farine, il y en a à côté dans l'autre. J'ai pensé en acheter ce matin. Oui. Ah, voilà. Bravo. C'est quoi? Je sens le changement de programme. En fait, j'ai un peu faim. Tes petits soufflés, là, ça prend une heure de cuisson quand même. Donc si on faisait des muffins au thon. C'est parti, muffins au thon. Allez, changement de programme. On va faire feta, vas-y. Je suis hyper maniaque. Alors, tu m'égouttes la petite boîte de thon? Oui, chef. Il reste la feta? À rajouter. Je peux innover un peu parce que vu que c'est la recette du n'importe quoi, je vais aller fouiller dans ton placard. Je vais aller voir si on peut pas mettre autre chose. Mais tu sais quoi, j'ai trouvé une petite boîte de maïs. C'est maïs. Le festival là. Oui, mais maïs et thon, ça va super bien ensemble. On était quand même parti sur des soufflés au thon. Muffins quand même au thon et au maïs. Et au donc maïs. On conserve le thon. Hein. Alors. Tu rajoutes du maïs. Du maïs. Ouais. Le côté gourmand. Le côté gourmand, oh là là, des muffins de maïs. En vrai, j'ai jamais fait ça de ma vie. Cette adaptation, quand même, c'est énorme. Ouais. C'est ce qu'il faut en cuisine. Énormissime. Hein. Et voilà, non, je vais en mettre partout. On a frôlé la catastrophe. Hein. Tout est maîtrisé. Si cette recette vous a plu, vous nous le dites dans les commentaires. N'hésitez pas à nous mettre des petits pouces, des machins, des trucs et voilà, tout. Voilà, si vous avez des suggestions pour nos prochaines recettes, n'hésitez pas aussi à nous envoyer un petit message en commentaire. Et moi, je me régale en tout cas. À la prochaine.